Être officiellement de genre neutre, c'est désormais possible en Australie. Mercredi, la plus haute juridiction du pays a décidé qu'une personne pouvait être légalement définie comme étant de genre non spécifique, ni homme, ni femme. It could be an intersex person, it could be a transgender person, it could be someone whose identity is neither male nor female. But the really important thing is that it's about personal identification by that person. Cette décision prise à l'unanimité par les juges de la Haute Cour vient débouter un appel déposé par l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Un conflit l'opposait depuis 2010 à un résident de Sydney, Nori, qui réclamait la création d'une troisième catégorie. I'm overjoyed that it has happened and this happened so swiftly and decisively. It's been a long time from start to end, but this is a great outcome. And also it's good now that it's Australia-wide, not just New South Wales. Pour être reconnu de genre neutre par la loi et l'état civil, il faudra tout de même fournir aux autorités un dossier médical.